Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce beau soleil que nous avons depuis ce matin. Nous allons conserver un ciel très dégagé pour cet après-midi, de belles conditions printanières. Et c'est grâce à cet anticyclone qui est là. C'est lui qui influence la météo chez nous pour cet après-midi. Pour lundi également, une très belle journée ensoleillée. Profitez-en si vous le pouvez, puisque dès mardi, malheureusement, arrivée de cette vaste dépression qui est là. Et c'est elle qui sera à l'origine de la météo chez nous pour de mardi à vendredi. Un ciel souvent couvert avec régulièrement des périodes d'averses. Cela dit, nous allons conserver la douceur. Pour l'heure, les températures en Europe, toujours fraîches. Pour Amsterdam, 5 petits degrés, pas plus, 9 pour Paris. Une fourchette entre 4 et 8 pour l'Écosse et pour l'Angleterre, entre 0 et 4 degrés. C'est encore très froid pour la saison dans les grandes villes scandinaves. Et puis lundi, cela nous donne des températures aux alentours des 7 degrés pour Paris, également pour Amsterdam, entre 5 et 8 pour l'Écosse et l'Angleterre, 11 degrés dans le sud de la France. On va regarder la météo un petit peu plus en détail chez nous pour cet après-midi. La couleur du ciel sera bleue, le soleil sera présent sur l'ensemble des régions. Vous le voyez, c'est un temps sec, de très belles conditions printanières. Un petit peu plus de passages nuageux ici dans le centre du pays, mais pas de pluie. Le vent, lui, sera présent sur le bord de mer, 30 à 40 km par heure. Dans l'intérieur du pays, c'est un vent faible de secteur est. Pour ce soir, alternance classique d'éclaircies, de passages nuageux, des nuages qui resteront présents sur le flanc est du pays dans le courant de la nuit. Pas de pluie, un vent toujours faible. Et puis demain, nous allons profiter à nouveau d'une très très belle journée. Vous le voyez, un soleil présent sur l'ensemble des régions, pas de pluie. Lundi après-midi, un petit peu plus de passages nuageux à partir de la frontière française. Ils vont rentrer dans l'ensemble du pays. Un faible risque de pluie, puisque dans la nuit de lundi à mardi, là, on aura des précipitations. Concernant les températures, cet après-midi, enfin 11 degrés en Campine, 10 dans le centre du pays, 9 sur la botte du Hainaut, 8 degrés seulement sur le bord de mer, puisqu'il y a ce petit vent. Et puis cette nuit, nous allons retrouver des valeurs positives sur les trois quarts du pays. Vous le voyez, 2 degrés pour le bord de mer également à tourner. Un petit degré pour Bruxelles. Nous avons une pointe à moins 3 dans les Hauts-de-Fagne et moins 2 en province du Luxembourg. Et demain, dans les grandes villes, toujours pas mal de douceur. 7 degrés pour Arlon et pour Luxembourg. Nous avons 8 degrés pour Namur, pour Charleroi. 10 enfin à Bruxelles. 9 à Tournai, 9 à Gand et 9 sur le littoral. Les prévisions pour les prochains jours. À partir de mardi, je vous le disais, entre mardi et vendredi, nous allons devoir subir de la pluie régulièrement. Un ciel souvent nuageux, mais toujours ce mercure qui grimpe un petit peu jusqu'à 13 degrés pour jeudi. Ensuite, vendredi, ce sera une journée de transition. On aura un petit peu moins d'averses. Et puis samedi et dimanche, le week-end prochain, s'annonce véritablement printanier, jusqu'à 15 degrés du soleil pour tout le monde et un temps sec. Aujourd'hui, nous fêtons les Jean-Baptiste, coucher du soleil à 20h25. Nous allons gagner 4 minutes de clarté. Je vous souhaite une très très belle journée. J'ai le plaisir de vous retrouver juste après le journal des 19h. Le réflexe météo, c'est sur rtlinfo.be.